Déjà, il y a une association basée à Vevey qui s'occupe en fait de l'informatique des offices AI pour 20 cantons en Suisse et au Liechtenstein. Agile AI, au niveau de l'accélération technologique, on a deux approches. La première phase de ces deux approches est la connaissance des besoins de nos membres et des besoins des utilisateurs finaux en fait. Du moment que nous, on a cette connaissance-là, ça nous permet d'une manière très efficace de faire la veille technologique. Et quand des technologies arrivent sur le marché, on arrive à se positionner pour se dire ben, « Tiens, oui, ça peut adresser nos besoins » ou alors « Non, ça ne peut pas adresser nos besoins ». La prochaine technologie qui devrait influencer un autre sens fortement Agile AI est plutôt la containerisation. C'est là-dessus qu'on voit en fait le plus fort potentiel. La containerisation va nous aider à être plus rapide dans cette livraison de nos services au niveau de l'application métier par exemple. Le rôle du CIO a changé. Il est passé d'une approche technologique à une approche de traduction en fait, de ce que c'est l'informatique. Souvent, un CIO doit référer à un conseil d'administration. Et si on arrive devant ce genre de personnes et on commence à arriver dans une description technologique, on n'arrive pas à adresser notre message. Aujourd'hui, le CIO, lui, doit plutôt être orienté sur l'expression des besoins, la compréhension des besoins. Le conseil que je pourrais donner au CIO, c'est de rester simple et pragmatique. Il est toujours important de partager ses expériences. Partager ses expériences permet à d'autres personnes de pouvoir faire les bons choix, de pouvoir aussi se rassurer sur leurs choix, leur stratégie.